Mon frère, on a filmé. Ah, mais ça fait quoi? Hein? Filmer, non? Est-ce que. Non, filmer, pas de problème là. Tombola ma boko Nicolas, tombola ma boko Ganga, assez, viva! Viva! Assez, viva! Viva! Oh, yeah.
Jama Cameroun avait sollicité donc qu'il soit mis à résidence. C'est ce que les juges non. Arrêté la prison tata de Makala mais le nom de Azui président Azui liberté à résidence surveillée mon épouse vient d'angamba c'est pour moi y'a mon égénie non biso toloba qui a mon banda kala le banda kana ba yidi ba violé article 107 la constitution sur le bakeno député national a poursuivi t'es pour une option opinion mais chose grave
régime à Chile gelou. Tout le monde est né par Kangaki président. On est Moïbi. On est vraiment par Tanzanie que tout ça Moïbi. On va vendre qui boye. On va protéger. Bah moi tiens alors vas-y Kawana. Alors bisous tout ça c'est notre lobby. Lobby. Jean-Marc Azan, député national. Il fallait que la résidence surveillée Baboy, Bachel, Namakala. Les lobes, c'est de dire état de droit et Koufi. État de droit et Koufi parce que les lobes, comme Monique Bassana, ma violette qui me fait comme Balingue et Jean-Marc Azan, Mandia pour nous faire surveiller. Toboy, Toboy, Aken de Kaka Makala, Nenge Bango Baginga. Toboy, prison Gaga. Mais, pourquoi ça qui est pourquoi? Bah quoi ça qui est en prison pourquoi Azonga quand la prison. Mais quand même chef de l'État il a quoi dit à la qui si volonté na hier on a comme la dingue. Volonté ça t'es état de droit et Koufi. État de droit en mode mon amboka. Quand tu es en droit na hier mon amboka. Bosso 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 amboka. Mbok Assemblée nationale les alliés caisse de résonance. État de droit et Koufi. Trois jours après, on est en zone de surveillance et résidents surveillés. Exacté. Le peuple d'abord est Koufi. Le peuple d'abord est Koufi. La famille d'abord. La famille d'abord, la famille Tshisekedi d'abord. Nyonso, Okimia, Fontiat, Gérard Azad. Gérard, Gérard! Gérard Azad, Nyonso, Wapi. Va connaître, Kinshasa Maté. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire un condensé par rapport à ce qui était passé? Le condensé, c'est trop fort parce que nous avons dû montrer à la Cour qu'il y a eu violation flagrante de la loi par le ministère public en rapport avec la détention préventive et en rapport avec l'instruction telle que ça s'est déroulé. Et alors la Cour a décidé de vouloir faire l'application de l'article 76 et 78 en rapport avec la procédure devant la Cour de cassation et a ordonné, au lieu de la détention préventive, il a ordonné la résidence surveillée à notre client, M. Jean-Marc Kabou. Pour vous, c'est un motif de satisfaction ou bien vous attendez notre... Bon, on ne peut pas du tout c'est dire satisfaire ou quoi, parce que le juge n'est soumis qu'à la volonté de la loi. Il n'a pas fait une faveur quelconque. Si le juge n'avait pas appliqué cette loi, le juge aurait aussi violé la loi. Alors, il ne peut pas violer la loi pour satisfaire au ministère public. C'est comme ça que le combat continue. Nous attendons que le ministère public puisse fixer l'affaire et nous allons démontrer noir sur blanc. Selon vous, maître, c'est du bon droit ou du mauvais droit? C'est du bon droit que la Cour a appliqué. Et la prochaine audience?
on n'a pas encore fixé. Il fallait que le ministère public fasse la requête au fait de fixation. Et aujourd'hui, Jamal Kabou passe ni où? Selon la procédure, il doit rentrer à la maison. Il doit rentrer en prison pour remplir les formalités d'usage et après il va aller à la maison. Ça va prendre combien de temps? Je ne sais pas, ça dépend de l'administration aussi. Mais la cour s'est déjà décidée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Tous les bosso ya cour de cassation pour na procès ya Jean-Marc Kabundi. Wazala qui arrêté na prison centrale de Makala. Le loba ben sa qui est pour na Kosamba. On a trouvé bon pour na ko libérer à la fin à kende na résidence na est surveillé. Merci beaucoup. Bonjour madame Boka. Bonjour. Madame Boka, a tous ayi wapi? A tous na cour de cassation. Le cour de cassation to ko na mona Boka procès ya Jean-Marc Kabundi nengi ni ezo ko se dérouler madame Boka te suis ko yo ka ke moi Jean-Marc Kabundi va pécier liberté conditionnelle ya résidence surveillée ya ko ba nengi ya vous tous surveillé pa bayi. Garder la police. Boni bien bayi mboka ase bomwe na ngende ni mona mboka. Bon to yambi ango kaka lokole zaki justice o eza réparer parce que nous tous nous savons que règlement d'ordre intérieur ya Assemblée nationale a bel et bien été violé na article 102 article 101 un député national bakanga ka été pour na ba opinion o ya azo émettre to pour na ba propos o alobi parce que eza na eza parmi ba prérogatives o yo Assemblée nationale a appelé ça par député à Moulobeli à peuple. Nous avons vu que bah viola qui loi, mais les lots bah signé na résidence surveillée bah mais qui qu'on réparer Sony oh bah ça là qui parce que ça énervé la constitution, ça énervé les règlements d'ordre intérieur, ça beaucoup énervé bah disposition oh et ça qui même à temps muto à outil école primaire à quoi bah que bah quand un député local a un individu simple na manière oh bah ça là qui angote aujourd'hui ça n'angote suite logique. Et ça est loco, mon côté, écoute, il y a qu'au gang à victoire. Mais quand même vive l'état des droits, quand même. Hein. Bon, je dirais pas vive l'état des droits à cause de ces petits actes qui viennent d'être posés. Parce que, au Rolobaté, ce qui est déjà mouillé, il y a qui est na na qui est tant que vous avez pardon, justice est salée, tellement que. On reconnaît le col à Bakangio, mouillé, on reconnaît en ce moment que Nazaki mouillé, on est bien, on est bien, donc, ce n'est pas de cette façon-là. Que nous pouvons dire vive l'état des droits. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup, Ndeko. Maître Fay. Maître Fay. Madame, vous êtes un président. Maître Fay, tu sais comment on a baillé assez de temps, c'est comment on a beaucoup de temps, on a eu pendant les camions, on a beaucoup assez. Essengwezali parce que moral ezali likolo. Essengonabiso ezali parce que régime ya Ndeko Chilombo o ezali caractérisé na puissance montée en puissance na dictature. Ezali mizani yango ezali kosala oyo Essengo ya bayimboka kotala ete mai mabata maki na kuku et bimisi koyo na poisa. Mais maître Faye, comment on a baïmbo pour le justice au temps de la madame? Ce que je dis, c'est respecter ma procédure aux équipes violées, ainsi que son savon à Nzela, mon amboka. Quand même, état de droit à justice, mon amboka. Et Zala qui est très important parce que les choses devaient rentrer à la normale. Pourquoi? Parce que Bissot Ozali très respectueux. Nao Tozo Benga Mobeko. Mobeko Koloba était modalité. Comment est-ce qu'on devait assigner un député national? Mobeko Zali Ko. Pour déterminer la modalité. On a sauté sur l'article 101, alinéa 5, il y a auto kobenga règlement intérieur, il y a Assemblée nationale. Et puis, ce qu'on a dit, modalité, on a fixé au niveau de la Cour de cassation, comment est-ce qu'on doit assigner un député national, c'est en résidence, c'est normalement. Mais au comment on a été, il y a Bandaki Ito, un magistrat instructeur, il y a dossier, à Meka qui est un peu comme ça, la Makambo, na Lombango. Auto benga ki na manière ya bayi politika. Mais lokola maintenant ils ont voulu respecter auto koloba procédure to ndenge mobeko lobi, nous sommes convaincus et nous sommes dans la joie parce que toza na vérité et vérité ko éclairer. Mata fa toza mingité likamboni bazo reprocher mon amboka Jean-Marc Kabundi oyo permettre ya ko masino na niveau ko mina mon lobi mon amboka. Likambo oyo bazali ko reprocher selon bango ezali auto ko benga outrage au chef de l'État et diffamation. Donc des éléments de bazali ko reprocher na mwana mboka Jean-Marc Kabundi. Eh yepo zali pe moko ya ba mikilimibe ko mwana mboka fai. Est-ce que réellement mwana mboka Jean-Marc Kabundi na commenta ki ben fonctionne ou ba
à charger les gens dans mon emboka. Et ça libère une infraction imaginaire parce que ceux qui ont le but aux zones dans le contexte réel, quels sont les éléments constitutifs? Il y a une infraction autocobenga outrage du chef de l'État. Vous comprenez que les alliés à boire et à manger. Il y a un gros bisou lobby noir sur blanc. Les alliés pirement bah fait aux alliés politiques. Au baso lukaba pe sango pe connotation judiciaire, mais les alliés pirement politique parce que infraction sur le plan y a badir y a moi namboka jamba kaboum et zaté misikawana. Merci beaucoup maître Faye. Bisou net otondio. We'll be right back.